N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, les gars, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comment changer son nom d'utilisateur sur Threads par Instagram? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire cela. Donc maintenant, ce que nous voulons faire premièrement, c'est ouvrir l'application Threads. Ok. Donc ici, ce que nous voulons faire, c'est aller sur notre profil. Donc nous allons taper sur l'icône profil en bas de notre écran sur le côté droit. Donc maintenant, ce que nous voulons faire, c'est modifier notre nom, ok, notre nom d'utilisateur. Donc nous allons naturellement taper sur modifier le profil, ok. Donc là maintenant, si je tape sur mon nom, ok, vous allez voir, on me dit votre nom est associé à votre compte Instagram et vous ne pouvez pas le modifier, ok. Donc parce que Threads est lié directement à Instagram, je ne peux pas le modifier ici. Donc pour pouvoir modifier mon nom d'utilisateur sur Threads, ok, ce que je vais faire, c'est aller dans Instagram. Ok, donc dans Instagram, je vais cliquer sur modifier. Ok, je vais taper sur modifier sur mon profil. Donc je tape sur modifier. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est modifier mon nom ici. Donc lorsque tu vas modifier ton nom d'utilisateur ici sur Instagram, ça va être directement renvoyé sur Threads parce que les deux applications sont liées. Donc lorsque vous avez modifié votre nom sur Instagram, la modification que vous aurez apportée ici sera directement envoyée sur Threads. Ok, parce que Instagram et Threads sont directement liés. Donc si vous voulez changer votre mot de passe, vous devez d'abord changer votre... Donc si vous voulez changer votre nom d'utilisateur, je vais dire, vous devez d'abord changer sur Instagram et la modification que vous aurez apportée sera directement envoyée sur Threads. Ok, donc c'est aussi simple que ça. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, les gars, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.